entre deux rendez-vous animé par Nicolas Nado tous les jeudis de 19h30 à 20h sur VL. Un moment qui m'a marqué, parce qu'on l'a reçu dans nos émissions, c'était, il me semble, dans cette émission qu'il y avait la dernière télé de Jean-Pierre Coffre. Absolument. Et ça, c'était marquant tout de même. On a été les derniers à recevoir Jean-Pierre. Ça se voyait. J'ai vu une flamme qui était en train de s'éteindre, alors qu'il, dès qu'il était à l'antenne, il était le Jean-Pierre que tout le monde connaît. Et puis, en coulisses, dans les loges, c'était plus compliqué. En plus, les conditions étaient très difficiles. C'était à Blois, c'était en janvier, il faisait froid. Donc c'était à la fois émouvant, à la fois très difficile à faire, à vivre. Moi, j'ai toujours eu une immense admiration pour Jean-Pierre. On l'a tous. Même si on n'a jamais travaillé avec lui. C'était un grand monsieur. Ça reste pour moi un maître et un modèle. Et il s'est battu pour des causes. J'étais pas tout le temps d'accord, et on se l'est dit, mais c'était un vrai bonheur à chaque fois de partager un repas, de partager une bouteille, ou juste de partager un moment avec lui. À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde, écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app.